Bonjour, je m'appelle Julien, je suis data scientist chez Pigeon Labs que j'ai rejoint à sa création début 2019. On a une stack technique plutôt classique avec une API en Python, un front-end en React.js et le tout encapsulé dans du container Docker. Chez Pigeon Labs, on s'est aperçu qu'il y a énormément de données génomiques à disposition, qu'elles soient dans le domaine public ou chez les partenaires académiques. Et l'idée, c'est de pouvoir agréger toutes ces données qui sont très hétérogènes afin d'avoir accès à des cordes virtuelles qui sont 10, voire 100 fois plus grosses que celles qui sont disponibles actuellement. Et tout ça en essayant d'utiliser des approches d'intelligence augmentée. Une fois qu'on a réussi à agréger ces données de patients, on a accès à des cordes du coup, qui sont beaucoup plus conséquentes et avec lesquelles du coup, on essaye d'innover dans les méthodes d'analyse en utilisant par exemple des méthodes d'apprentissage profond, ce qui n'était pas possible avec les petites cohortes. Et du coup, c'est le deuxième challenge technique qu'on essaie de relever. Chez Pigeon Labs, on procède de la manière suivante. Nous observons, nous reproduisons et nous innovons. Si je devais convaincre un collaborateur en quelques mots, je lui dirais trois choses. La première, c'est que chez Pigeon Labs, il serait soumis à un challenge intellectuel et technique. La deuxième, c'est qu'il serait dans une équipe en pleine croissance et donc il pourrait voir grandir le projet avec l'équipe. Et la dernière, c'est que chez Pigeon Labs, on voit concrètement l'impact que l'on a chez les patients.